Ça s'appelle Noël de l'an 2000. Alors, peut-être asseyez-vous et puis on reprend. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sabot ? Un continent perdu sous l'eau et une âme d'adolescent qui se retourne tout le temps. J'ai beau lui dire d'être sage, de ne pas être dissipé. Elle fait crisser le gravier et joue avec les coquillages. Noël, c'est Noël. Il apporte dans sa hotte, à l'intention d'un physicien, un cyclotron qui bat des mains. Et pour se faire pardonner d'avoir heurté la cheminée, il porte aussi, comme au vieux temps, quelques jouets pour les enfants. Noël, c'est Noël. Des cloches, un rien électronique sonnent et résonnent d'où Jésus. Et l'on voit passer dans les nues les rois et les mages en personne, au volant d'engins inconnus. Une toute petite fille qui porte son cœur à la main est assise au bord du chemin et l'on voit dans ses deux pupilles se dessiner des lendemains. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sabot ? L'eau de peine, l'eau d'espérance. Le jour qui court après la nuit qui court après le jour. Et la soupe un peu aigre et rance que les poètes ont si bien dit. Noël. C'est Noël quand même. Jésus nous revient, toujours inchangé. Il vient de si loin. Faites-le entrer. Ne lui dites rien de tant de plaies, blême. Ne lui dites rien. Il va deviner. Et ça, la machine à laver, c'est juste qu'il y a un peu.